Oui, shalom, shalom. Je suis le prophète Joël Crasso, le maréchal de la brigade anti-sorcier. Nous sommes pratiquement à cette date, n'est-ce pas, d'aujourd'hui 27. Voilà, de 27. Le 27, mercredi 27 décembre 2017. Juste là, pour juste faire une annonce ou rappeler le programme de ce week-end. Voilà, donc que Dieu bénisse. J'attends que vous me preniez en ligne pour qu'on échange sur certaines choses. Voilà, pour qu'on échange sur certaines choses. Voilà. Voilà, je veux communiquer rapidement parce que j'ai trop de questions que les gens se posent par rapport au programme de demain. Je voulais juste communiquer sur le programme de demain. Le programme de demain aura bel et bien lieu. Voilà, donc je confirme que demain, il y aura un programme ici à Paris. Voilà, le programme aura bel et bien lieu. Voilà, ici. Et après, c'est dans le même endroit. C'est Vitry-sur-Seine. Voilà, nous aurons un programme à Vitry-sur-Seine. Et ce programme-là, c'est un programme de taille. Cette fois-ci, c'est un programme de réception. N'est-ce pas, de réception et de délivrance. On aura l'occasion de vous écouter et on aura l'occasion de prier pour vous. Voilà, donc le programme de demain, c'est un programme d'écoute et de délivrance. Voilà. On attend comme ça plus de... On ne prendra pas beaucoup de monde. Voilà, merci. On prendra ceux qui se sont inscrits. Voilà, on prendra ceux qui se sont inscrits et on fera le programme de demain. C'est un programme d'écoute et d'entente, de délivrance. Il y a eu tellement de demandes en semaine, juste après la croisade de Paris. Juste après la croisade de Paris, on avait beaucoup de personnes qui nous appelaient pour des moments de délivrance. Il y a beaucoup de gens qui nous sollicitaient, beaucoup sollicitaient par rapport à délivrance. Et la chose se poursuivait encore quand on était encore en Suisse. Il y a eu encore une forte demande, donc le Seigneur m'a mis à cœur d'organiser ce programme. Programme pour demain, voilà. Demain, jeudi, à partir de 18h, à Vitry-sur-Seine. C'est à partir de 18h jusqu'à 0h. On n'aura pas trop de temps, mais cette fois-ci, c'est les entretiens en privé, voilà. Ce sont les entretiens en privé. On aura l'occasion de vous écouter et prier pour vous. Voilà. Voilà, donc je tenais quand même à confirmer un peu ça. Je tenais à confirmer que le programme de demain aura très bel et bien lieu. Ici, à Vitry-sur-Seine. Voilà, nous recevons des gens qui viendront un peu de partout. Mais c'est ceux qui seront sur la liste, n'est-ce pas, de rendez-vous que j'aurai l'occasion de prendre. Ceux qui seront sur la liste de rendez-vous que j'aurai l'occasion. Voilà, de prendre. Voilà, donc, Méité de Paris, shalom à toi. Shalom à tous les enfants spirituels qui viennent, n'est-ce pas, qui viennent me prendre là. Shalom à vous. Je vous informe déjà qu'on a commencé à mettre un grand comité en place. Un comité Exode, shalom. Un comité ici en France. Voilà, on a déjà beaucoup de personnes qui ont commencé à adhérer, n'est-ce pas, à ce mouvement. Voilà, donc merci déjà pour ceux qui étaient à la rencontre hier, le dimanche, le lundi, ici à Paris. Voilà, donc le prochain rendez-vous avec tous les enfants spirituels, le prochain rendez-vous sera le vendredi 5 janvier à 21h à Lyon, n'est-ce pas, pour vous donner la feuille de route. Voilà, donc nous avons déjà mis un comité en place en Suisse, un grand comité en Suisse, en Italie, dirigé par, bien sûr, Denis Champion. Voilà, donc tous ceux qui veulent maintenant adhérer, qui sont les vrais enfants du prophète Crasso, voilà, ils doivent appeler Denis Champion depuis l'Italie, voilà, pour, n'est-ce pas, s'inscrire dans le comité d'Italie. Voilà, de s'inscrire dans le comité d'Italie. Maintenant, ceux qui sont en Suisse, vous appelez Sylvie, voilà, et pour vous inscrire dans le comité de Suisse. Voilà, parce que la Suisse, il y a aussi l'Autriche juste à côté, il y a Hollande juste à côté qui font tout ça, la Suisse.
Et pour la France, on aura l'occasion, il y a les gens de Paris et Lyon, et puis la France se mettront ensemble. On aura l'occasion de mettre aussi notre comité bientôt sur Toulouse, dans différentes villes. Voilà, justement, on aura l'occasion de bien expliquer ça plus tard, vous amener à comprendre. Pour dire, demain, le programme de Paris aura bel et bien lieu ici à Paris, Vitry-sur-Seine. Comme ça, on aura l'occasion de prier pour vous, on aura l'occasion de vous écouter, on aura l'occasion de faire votre délivrance. Voilà, c'est écoute et délivrance. On aura l'occasion de vous écouter et on aura l'occasion de faire votre délivrance. C'est demain, à partir à partir de 18h, déjà 17h, nous démarrons la rencontre. C'est une rencontre en privé, hein. Voilà, en privé, inscrivez-vous, bien sûr. Une rencontre en privé et puis priez pour vous. On a 2 jours, on a jeudi et vendredi. Voilà, on a jeudi et vendredi. Bon, voilà, je vous annonce aussi que je serai à Marseille. À Marseille, à partir du 30, voilà, du 30 et le 31. Le 30, 31, je ferai ça à Marseille. Je vais faire le 30e réveillon de Noël, de Nouvel An à Marseille. Voilà, donc voici un peu mon programme pour dire déjà ceux qui sont déjà sur Paris, commencez déjà à appeler Maman Bessoura pour vous inscrire. Hein, par rapport aux entretiens, c'était vraiment important. La dernière fois avec le programme, on n'a pas eu le temps, on n'a pas eu franchement le temps de pouvoir, n'est-ce pas, vous prendre, vous écouter. Il y avait des gens qui avaient beaucoup de choses à dire, il y a beaucoup, il y avait vraiment besoin. Et c'est pour cela que le Seigneur nous a ramenés ici à Paris pour, n'est-ce pas, pour le programme d'entretien et de délivrance. Donc c'est demain. Voilà, le programme est prévu demain à partir de 17h jusqu'à 0h. 17h jusqu'à 0h. Ici, Vitry-sur-Seine, l'adresse est là déjà. Et vendredi également à partir de 17h jusqu'à 0h. Voilà, donc que le Seigneur vous bénisse, soyez fortifiés. J'ai fait cette vidéo justement pour confirmer le programme de demain. Et c'est Maman Bessoura, n'est-ce pas, qui conduit et qui dirige. C'est à elle seule que je vais vous adresser. Vous appelez Maman Bessoura, c'est elle qui pilote le programme de... Voilà, Jean-Roch, Shalom. Ghislaine, ma fille, Shalom à toi. Voilà, donc Shalom à ceux qui sont là, Shalom à vous. Comme je disais, comme ça, nous sommes en train de former un grand comité des enfants spirituels du prophète Crasso. Dans toute la France, on a déjà fait à soi pour la Suisse, on a déjà fait à soi pour l'Italie, conduit par Donny Champion. On vient de faire à soi pour la Suisse, conduit par Sylvie. Voilà, donc la France, nous allons, n'est-ce pas, on aura une grande réunion le 5, vendredi 5 janvier, à partir de 21h. À partir de 21h, n'est-ce pas, 21h à Lyon. Voilà, donc soyez puissamment bénis, soyez puissamment visités par le Seigneur. Cette nouvelle année vous apporte la grâce et la bénédiction du Seigneur. Voilà, justement, je suis là, ça fait pratiquement bientôt 3 mois que je suis en Europe. Voilà, bientôt 3 mois que je suis là. Mon retour, c'est dans quelques jours en Afrique. Voilà, mais je suis en train d'organiser certaines choses au niveau d'ici, par la grâce de Dieu. Donc, recevez la bénédiction du Seigneur, soyez fortifiés et soyez infiniment bénis. Justement, je suis là pour confirmer. C'était pour la confirmation du programme de demain. Le programme aura bel et bien lieu. Le programme de demain aura bel et bien lieu à, n'est-ce pas, Vitry-sur-Seine. Vitry-sur-Seine, c'est ici, à Paris, en banlieue parisienne déjà. Vitry-sur-Seine. Et vous appelez Maman Bessoura, celle qui coordonne, n'est-ce pas, celle qui coordonne un peu tout. Maman Bessoura, vous l'appelez pour, n'est-ce pas, des rencontres en privé. Comment ça s'est passé? Vous venez déjà. Déjà, il y a une liste. Il y a une liste déjà des gens. Et puis, on vous appelle. On vous appelle et puis, bon, on vous écoute. Et après l'écoute, on fait un retour prophétique. N'est-ce pas, une orientation en tant que prophète, en tant que guide spirituel. On fait un retour, on vous explique. En tant que guide, je vous explique les choses selon Dieu. Et délivrance en même temps. Donc, si vous avez quelqu'un qui est malade, vous pouvez déjà l'emmener, appeler, parce que si nous avons 2 jours, 2 jours, et ne ratez pas ce moment, c'est demain, jeudi 28, et également le vendredi 29. Shalom à vous, que Dieu bénisse. C'était justement pour la confirmation du programme de demain. Shalom, que Dieu bénisse.